Ce matin, je me préparais pour aller au lycée. J'habite loin, alors je prends le bus et je marche. Qu'est-ce que je suis beau. Une fois devant mon casier, je me rendis compte qu'on me l'avait bloqué. C'est donc sans affaire que je commençais ma journée. Vers midi, j'allais tranquillement au self quand des racailles me prirent à part et me soutirèrent mes vêtements et mon argent. Donc, tu n'as plus de ses affaires. Ouais, je l'attendais celle-là. Hein. Iliane, ton comportement laisse vraiment à désirer. Tu n'as plus de ses affaires. Tu as des mauvaises notes. Tu montes tes fesses en classe. Tu insultes des gens. En résumé, ton comportement est vraiment intolérable. Je vais te renvoyer chez toi pour que tu puisses méditer sur cette leçon. Allez. Après un bref détour chez le directeur, okay. Je rentrais chez moi. Je dois vraiment avoir l'air d'un con. Mes parents étant de grands hommes d'affaires, je me retrouvais seul avec la femme de ménage, et d'ailleurs je ne sais pas ce qu'elle foutait là à cette heure-ci. Jusqu'à tard le soir, je restais à jouer à FIFA, un jeu plutôt sympa. Mais crevé de cette journée, j'allais dans mon lit dormir. Je l'ai pas déjà fait cette journée ? Non, je dois rêver, ça doit pas être ça. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Je l'ai pas déjà fait cette journée. Non, je dois rêver, ça doit pas être ça. C'est après une nuit sans sommeil qu'on retrouva le sexy Liane mort sur son lit.